Bien salut à toutes et à tous, c'est Toby et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour mon tout premier squad builder sur FIFA Ultimate Team 16 sur ma chaîne YouTube. Donc ça sera un petit squad builder d'une bonus Liga, 15 000 crédits. Franchement cette bonus Liga elle est surcheatée et pour pas cher les gars, c'est parti. Et comme gardien les gars, j'ai décidé de mettre Diego Penaglio, gardien de Wolfsburg, qui est très bon. 84 de plongeon, 80 de référence, 78 de GMA, 42 de vitesse, il est pas rapide. Mais il est très bon en plongeon, 64 de dégagement à 80 de position. Que j'ai à 2200 crédits. En défenseur central gauche, on se retrouve avec Johan Djourou, qui est lui pas cher et très bon. 3 stats de mauvais pied et 2 stats de geste technique. 70 de vitesse, 60 de dribble, 36 de tir, 67 de défense, 58 de passe et 75 de physique. En défenseur central droit, on se retrouve avec David Abraham, qui coûte vers les 2000 crédits, qui a 2 étoiles de mauvais pied, 2 étoiles de geste technique, 74 de vitesse, 55 de tir, 62 passes, 76 de physique, et voilà. En défenseur latéral droit, on se retrouve avec Daniel Oppart, l'ancien joueur du FC Porto, qui coûte vers les 2500 crédits, qui est très bon du mauvais pied, qui a 4 étoiles du mauvais pied, 2 étoiles de geste technique, qui est très rapide, 89 de vitesse, 76 de dribble, 63 de tir, 70 de défense, 75 de passe, 75 de physique, je monte fortement, car il est très bon. En défenseur latéral gauche, on se retrouve avec Denis Aogo, qui coûte vers les 1000 crédits, qui est très bon du mauvais pied, 3 étoiles du mauvais pied, 12 étoiles de geste technique, 75 de tir, 75 de dribble, 55 de tir, 67 de défense, 76 de passe, 76 de physique, et joue à Schalke 04. Milieu gauche, on se retrouve avec le frère de Eden Hazard, Torgan Hazard, qui coûte vers les 1000 crédits, qui est très très bon et pour pas cher. Qui a lui 3 étoiles du mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, 77 de vitesse, 82 de dribble, 74 de tir, 33 de défense, 77 de passe et 63 de physique. Et en milieu central gauche, on se retrouve avec Charles Aranguiz, qui joue au Leverkusen, qui coûte vers les 1500 crédits, qui est très bon du mauvais pied, qui a 4 étoiles du mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, 78 de vitesse, 76 de dribble, 72 de tir, 56 de défense, 82 de passe et 66 de physique. Je vous le recommande fortement. Et alors là les gars, on se retrouve avec Piotr Trochowski, qui coûte vraiment pas cher, je lui ai assez crédit, et qui est très très bon les gars. 5 étoiles du mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Ce joueur est trop sous-coté à mes yeux. 70 de vitesse, 82 de dribble, c'est un super technicien. 76 de tir, 68 de passe, 78 de passe, excusez-moi, qui est aussi très très bon. Au milieu droit, on se retrouve avec Ibrahima Traoré, que j'ai vers les 1700 crédits. 4 de geste technique, 88 de vitesse, 84 de dribble, 68 de tir, 36 de défense, 74 de passe, 48 de physique. Voilà, qui a un très bon milieu droit, je vous recommande fortement lui aussi. En PU, on se retrouve avec Almir Memedi, que j'ai à 800 crédits, qui est lui à 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, 77 de vitesse, 82 de dribble, qui est un super technicien, 75 de tir, 39 de défense, 71 de passe, 72 de physique. Et en PU gauche, on se retrouve avec Ivishia Olic, que j'ai à 900 crédits, qui est lui à 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, qui est un très très bon tireur de loin, un très bon long shooter, 72 de vitesse, 70 de dribble, 78 de tir, 36 de défense, 63 de passe, 81 de physique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai quelques actions que j'ai fait avec cette équipe. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ainsi que vous abonner. Moi, je vous le prochain, ciao, kiss, bye, peace.